Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Le premier et le dernier, l'étoile filante de David, l'étoile brillante, le Seigneur qui est tout en tous. Oui, le Seigneur qui accomplit tout en tous. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Lui qui nous permet encore de nous réunir pour partager sa merveilleuse parole dans la prière et célébrer son saint nom. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les exhortations qui sont apportées çà et là par des saints, pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux et pour toucher plusieurs afin qu'ils connaissent le salut de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci de tout cœur. Je veux dire merci au Seigneur. Ô Père si parfait, sans oublier un moment, un seul de ses bienfaits. Je veux dire merci au Seigneur, ô Père si parfait, sans oublier un moment, un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me comble de tendresse et de bonté. C'est lui qui remplit ma vie de la vraie vie. Mon âme bénit le Seigneur, bénit le nom de Dieu. Que tout ce qui vit en moi chante le nom de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu. Que tout ce qui vit en moi chante le nom de Dieu. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Mon âme bénit le Seigneur, bénit le nom de Dieu. Que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. Mon âme bénit le Seigneur, bénit le nom de Dieu. Que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me comble de tendresse et de bonté. C'est lui qui remplit ma vie de la vraie vie. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu. Que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. Ô Père, merci pour ta grâce, ô Père. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, ô Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu nous as donné le souffle des vies. Ô Dieu, lorsque nous allons dans des hôpitaux, lorsque nous voyons les conditions des hommes, ô Père, nous réalisons que c'est une grâce de prier. Seigneur, certains n'ont pas la voix, ô Dieu. Et, Seigneur de gloire, doivent subir les soins, ô Père, pour parler par des gestes, Seigneur de gloire, ô Père. C'est une grâce que nous parvenons à parler, ô Seigneur, et nous voulons te remercier, ô Dieu. Seigneur, certains n'ont pas les jambes pour marcher, ô Dieu, ô Père. Seigneur, et souffre atrocement, ô Père. Mais toi, tu nous as donné deux jambes, ô Dieu, Papa, pour marcher, ô Seigneur. Père, nous voulons encore prendre plaisir, Seigneur de gloire. Ô Seigneur de gloire, à chaque chose en toi, à chaque chose que tu nous as donné, ô Père. Ô Dieu, certains n'ont pas les mains, ô Dieu, qu'ils peuvent élever, ô Seigneur de gloire, pour te louer, ô Dieu. Mais, Seigneur, tu nous as donné deux mains, ô Père, pour te louer, ô mon Dieu, mon roi, ô Père. Seigneur, certains, ô Père, n'ont pas des yeux pour voir, ô Papa, Seigneur de gloire. Mais toi, ô Dieu, tu nous as donné des yeux pour voir, ô Seigneur, afin que nous puissions te célébrer, afin que nous puissions, ô Père, être reconnaissants, ô Dieu, ô Papa. Seigneur, donne-nous d'apprendre à être reconnaissants, ô Père,
dans chaque chose, dans chaque moindre détail, oh Papa Saint de gloire. Oui, c'est un miracle, Seigneur. On cherche des miracles, oh Père. Mais c'est un miracle, Seigneur, que de voir chaque compartiment de notre vie, oh Père. Être béni de Dieu, oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur. Oh Père, Saint de gloire. Seigneur, parfois, nous voulons tellement de merveilles que nous oublions déjà les merveilles, oh Père. Oh Seigneur, que tu nous as donné chaque jour, oh Seigneur de gloire. Oh Papa, c'est une grâce qu'on puisse s'élever au Père et de pouvoir aller, Seigneur, faire nos besoins au Dieu, Papa. Car on voit des gens dans les hôpitaux au Père qui ne peuvent pas uriner au Seigneur de gloire, qui ne peuvent même pas faire des selles, oh mon Dieu, correctement au Dieu. Seigneur, c'est une grâce au Père que tu as donnée à l'homme, Seigneur de gloire, afin qu'il ait la crainte de Dieu, oh Papa. Parce que personne n'a payé, oh mon Dieu, mon roi, pour pouvoir la voir au Dieu, au Père. Oh Seigneur, voilà pourquoi nous voulons qu'aujourd'hui, Seigneur, être vraiment dans l'action de grâce au Père. Seigneur, parfois, Seigneur, nous nous plaignons tellement, Seigneur. Nous voulons tellement des choses et nous ne savons pas rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà. Nous ne savons pas nous contenter, ô Seigneur. Ce matin, ô Père, nous prions encore que l'esprit de contentement qui est en Christ, ô Seigneur de gloire, ô Père, tel que tu l'as dit, Seigneur de gloire, de ne pas aspirer aux choses hautes, Seigneur de gloire, ô Papa, Seigneur de gloire. Ô Papa, Seigneur de gloire, ô Père. Mais Seigneur de gloire, d'apprendre, Seigneur de gloire, à se contenter de ce que nous avons, ô Dieu. Père, nous voulons nous contenter encore, ô Père, et te rendre grâce, Seigneur, et te glorifier, ô Papa, même dans nos infirmités de ce que nous avons, ô Dieu. Ô Papa, Seigneur de gloire. Seigneur, c'est une grâce que nous parvenons à manger, Seigneur, d'autres Seigneurs de gloire, mangent par les sons de Seigneur de gloire, et ne peuvent pas manger convenablement, ô Dieu. Ô Père, ô Seigneur, quel privilège, Seigneur, tu nous as donné, ô Dieu. Ô Papa, ô Seigneur. Seigneur, c'est une grâce, ô mon Dieu, mon roi, ô Père, de pouvoir parler au Seigneur de gloire, de pouvoir parler et prier même au Dieu. Seigneur, d'autres n'ont pas l'usage de leur voix, ô Seigneur de gloire. Ils sont obligés, ô Dieu, d'avoir des instruments ça et là, ô Papa, sur eux, ô Dieu. Ô Papa, merci pour ta grâce, Seigneur, et pour ta visitation, ô Seigneur. Ô Père, Seigneur, c'est une grâce que nous avons, ô Dieu, de pouvoir, ô Seigneur de gloire, invoquer ton nom, ô Seigneur de gloire. Proclamer ton nom, ô mon Dieu, mon roi, ô Papa. Seigneur, d'autres, Seigneur de gloire, ô Papa. Seigneur, veulent bien le proclamer, Seigneur, mais ils n'en ont pas la capacité, Seigneur de gloire, ô Seigneur. Oh, c'est une grâce que tu nous permets encore d'être, Seigneur de gloire. Oh, pour ceux qui sont dans des positions, dans des pays, ô Seigneur, ils peuvent témoigner de l'amour de Christ publiquement, Seigneur, sans en être, Seigneur de gloire, inquiétés. Oh, Seigneur. D'autres ne parviennent pas, Seigneur, dans des pays. D'autres, Seigneur de gloire, rien que le simple fait qu'on sache, Seigneur, qu'ils sont enfants de Dieu, Papa, ils sont persécutés, ô Seigneur de gloire. Ils sont tués, ô Papa. Ils sont lapidés, ils sont sciés. Ô Seigneur, Papa, nous venons encore devant toi, ô Seigneur. Nous te supplions, ô Père. Ô Seigneur, nous voulons te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois, ô Père. Nous ne t'avons pas rendu grâce, vraiment. Nous n'avons pas fait des actions de grâce en prière pour te remercier, vraiment. Seigneur, ô Papa, dans le contentement de ce que nous avons, ô Dieu. Ô Papa, c'est une grâce d'avoir ces quatre membres, ô Père. Car il y en a même, Seigneur, qui te connaissent, Seigneur, qui n'ont pas de membres. Mais qui sont joyeux en Christ, Seigneur de gloire, ô Papa, et qui célèbrent le nom du Seigneur, ô Papa. Ô Seigneur, c'est une joie, ô Dieu, ô Papa, Seigneur de gloire. Oui, c'est une grâce, ô Père, ô Seigneur, Papa. Nous te demandons pardon. Pardon, ô Seigneur de gloire. Là où, ô Seigneur de gloire, nous avons considéré, Seigneur, notre ego avant toute chose, Seigneur de gloire. Au lieu de considérer notre prochain, au lieu de considérer tes bienfaits dans nos vies, ô Seigneur, pour être, Seigneur, des intercesseurs efficaces, Seigneur de gloire. Et pour apprendre, Seigneur de gloire, être patient. Ô Seigneur, nous sommes venus devant toi, ô Papa, impatients. Seigneur, te prenant pour un fast-food spirituel, ô Dieu, et voulant manger toutes sortes de choses, ô Dieu, et ne connaissant pas te rendre grâce. Ô ce matin, Seigneur, oui, Papa, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir mal agi. Pardon de n'avoir pas voulu que ton règne vienne et s'installe plutôt, ô Dieu. Ô Papa, nous prions que tu nous conduises encore, ô mon Dieu, mon roi, Papa. Et que tu nous délivres, ô mon Dieu, mon roi Seigneur, de la folie, ô mon Dieu, mon roi, ô Papa, de la frénésie, Seigneur, de ce monde où on cherche tout le temps des choses et on n'apprend pas à remercier Dieu pour ce qu'on est et pour ce qu'on a, ô Dieu. Ô Papa, merci. Merci encore ce matin pour cela. Merci encore parce que chaque enfant de Dieu qui traverse des moments extrêmement difficiles, ô Dieu, va s'arrêter un moment, ô Dieu, Papa, et regarder tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Regardez tout ce qu'il a, ô Dieu, et se contenter et rendre gloire à Dieu déjà pour ce qu'il a, ô Dieu, avant de penser à aller plus loin, ô Dieu. Ô Papa, merci encore, ô Père, de cette grâce, ô Seigneur. Papa, que nous puissions
Seigneur, communiquer ce contentement au Dieu, au Père, parmi, Seigneur, les païens saints de gloire, parmi, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, de voir une église, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui n'est pas attristée, qui n'est pas dans la course et la frénésie des choses, mais qui apprend à reconnaître ce que Dieu est, c'est comment Dieu est bon en chaque chose. Papa, afin que, oh Père, le monde, oui, Seigneur, apprenne de l'église qui est la lumière du monde, oh Dieu, papa. Oui, une église, oh Père, qui sait se contenter, qui est joyeuse, oh Père, avec le peu qu'elle a, qui est joyeuse, oh Père, avec ce qu'elle a, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour ta grâce, oh Dieu. Merci encore, oh Père, pour ta visitation, oh Papa. Sois glorifié encore, Papa. Sois élevé encore, oh Père. À toi soit la gloire encore, oh Père. À toi soit la louange encore, oh Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Oh Papa. Seigneur, quand beaucoup nous poseront des questions au Père, comment il parvient à être content? Comment il parvient à être joyeux? Oh, avec le peu qu'il a. Seigneur, c'est ainsi que toi tu te glorifies, oh Dieu, Papa Saint de gloire. Oh Seigneur, tu veux démontrer ta puissance, Seigneur, au travers de nous, au Père, de ce que, oh Dieu, on nous voit au Père. On nous voit comme les personnes Saint de gloire, qui rendent gloire à Dieu, au Papa Saint de gloire, au Papa, et qui célèbrent Dieu au Père, même lorsqu'ils ont des manques, oh Dieu. Parce que même dans les manques, ils savent que le Seigneur est avec eux. Même dans le manque, ils savent apprécier déjà ce qu'ils ont au Père, au nom de Jésus. Afin de voir la main de Dieu au Père se glorifier encore puissamment dans leur vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, merci, oh Seigneur. Seigneur, merci parce qu'au travers de ça, Seigneur, des miracles se produiront au Papa, Seigneur de gloire. Des délivrances se produiront au Papa. Et tu te manifesteras puissamment au Père dans la vie de tes enfants encore au Père dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, ô Seigneur. Merci, ô Père, pour tes bienfaits, ô Dieu. Merci, ô Père, pour cette bonté, Seigneur, parmi tes enfants, ô Seigneur. Alléluia. Ô Père, Seigneur, nous voulons te prier, ô Seigneur, pour ceux-là, ô Père, qui sont angoissés, Seigneur de gloire, ô Papa, Seigneur de gloire. Qui sont angoissés tous les jours, oh Dieu, Papa, qui ne trouvent pas le sommeil à cause de l'angoisse, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Oh Seigneur, tu as dit qu'on aura de l'angoisse dans le monde, mais que nous prenons courage, car tu as vaincu le monde, oh Dieu, oh Père. Seigneur, je prie encore, oh Père, que ces bien-aimés, oh Père, aient le courage encore, oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Et que l'angoisse, oh Père, ne prenne pas le dessus, Seigneur, dans leurs pensées. Que l'angoisse, oh Père, ne les amène pas dans la, Seigneur de gloire, dans la dépression, Seigneur. Oh Papa, Seigneur de gloire. Et qu'ils dépriment, Seigneur de gloire. Et dans, Seigneur, l'abandon, oh Papa, Seigneur de gloire. Ou bien la rétrograde dans la foi, oh Père. Seigneur, mais qu'ils soient encore, oh Papa, Seigneur de gloire. Rempli de ton esprit, oh Seigneur de gloire. Et de surmonter toute angoisse, oh Papa. Toute tribulation, oh Papa. Toute difficulté, oh Père. Toute situation, oh Père. Par la foi, au nom de Jésus, oh Père. Que leur cœur soit gardé encore, oh Père. Oh Seigneur, et protégé, oh mon Dieu, mon roi, des traits enflammés de l'ennemi, oh Papa, de l'amertume, oh mon Dieu, mon roi, des choses, oh Père, qui n'honorent pas le saint nom de Dieu, des choses, oh Père, Seigneur, qui ne glorifient pas notre Père qui est en Jésus-Christ de Nazareth, des choses, oh Père, Seigneur, qui nous éloignent, oh Père, de la simplicité de l'évangile, oh Seigneur, des choses, oh Père, Seigneur de gloire, qui nous éloigne, ô Père, de la statue parfaite de Christ, ô Père. Seigneur, viens, ô Père, ôter l'angoisse, ô Père, dans le cœur de tes enfants, ô Seigneur, ô Dieu, ô Père. Seigneur, je vais te prier, ô Dieu, pour ceux ou celles-là qui sont angoissés, ô Père, Seigneur, pour le mariage, ô Dieu. Tu vois beaucoup de nos bien-aimés, ô Père, Seigneur, qui ne sont pas mariés, Seigneur de gloire, tant des sœurs que des frères, ô Dieu. Père, je te supplie encore, ô Père, Seigneur, que tu pourvoies encore, ô Père, par ta grâce, ô Dieu, Seigneur de gloire, à un mari, à un époux au nom de Jésus, ô Père. Seigneur, que tu ôtes, Seigneur, toute angoisse dans le cœur, ô Père, telle que Anne était, Seigneur, angoissée, Seigneur, gloire, ô Père. Seigneur, de ce qu'on se moquait d'elle, ô Dieu, Papa. Ô Seigneur, ô Papa, Seigneur, gloire. Que tu ôtes toute angoisse dans le cœur, ô Papa, de nos sœurs, de nos frères, ô Père, au nom de Jésus, afin qu'ils marchent dans un plein courage, dans une pleine foi, et de voir, ô le Seigneur, ô Père, pourvoir à leurs besoins, au-delà, ô Père, de ce qu'ils pouvaient imaginer, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ô Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Seigneur. Merci pour l'angoisse que tu ôtes, Seigneur de gloire. Merci pour l'amertume, ô Père. Ô Seigneur. Que tu ôtes, Seigneur. Père, je vais te prier pour des foyers, ô Seigneur. Où l'angoisse, Seigneur de gloire, vient s'installer, ô Père. Parce que, ô Dieu, Seigneur de gloire, ô Papa, on n'a pas un enfant. Parce que, ô Seigneur de gloire, ô Père, on attend un enfant.
parce qu'il y a des fausses couches, oh Dieu. Oh papa, je t'en supplie encore, oh Seigneur. Papa, qu'une foi véritable, oh Père, que les regards soient encore fixés sur Christ, oh Père, et qu'il comble encore de joie et de bonté, oh Père, les foyers, oh Père, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père. Oh Seigneur, tu te demandes à mon nom, afin que votre joie soit parfaite, Seigneur de gloire. Père, que la joie soit parfaite en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh Seigneur. Je te bénis, oh Dieu, de ce que, Seigneur, tu ôtes encore toute forme d'angoisse et que tu relèves encore tes enfants, oh Père, ce matin, oh Seigneur. Et que tu accompagnes encore, oh Père, dans tes marches, dans ta marche, oh Dieu. Et que tu bénis encore, oh Papa, Seigneur de gloire, au-delà de toutes choses, oh Père, afin que, oh Père, le cœur, Seigneur de gloire, soit gardé, préservé, oh Seigneur de gloire, de l'angoisse, oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, oh Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ton amour, oh Seigneur. Merci, ô Dieu, pour ta présence, Seigneur, parmi tes enfants, ô Seigneur. Ô Seigneur, tu connais ceux-là qui sont angoissés, ô Père, pour le travail, ô Seigneur de gloire, qui sont angoissés, ô Père, concernant la famille, ô Dieu, Papa. Seigneur, tu vois tellement de personnes qui travaillent, Seigneur de gloire, comme des esclaves, tellement angoissés pour leur famille, ô mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, ô Père, Seigneur, que tu ôtes encore cette angoisse, Seigneur de gloire, afin qu'ils ne tombent et qu'ils ne demeurent dans l'idolâtrie, ô Père. Seigneur, se voyant comme le pourvoyeur de la famille, oh Dieu, oubliant que c'est Dieu, oh Père, qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, afin que, oh Père, Seigneur, qu'ils ne soient plus angoissés pour leur famille, oh Dieu, angoissés dans le travail, Seigneur de gloire, dans le but simplement, oh Père, de subvenir aux besoins de la famille, mais qu'ils soient dans une pleine foi, oh Père, oh mon Dieu, mon roi, et que cette famille soit elle-même de pleine foi, croyant que c'est Dieu, oh Père, qui pourvoit, oh Seigneur. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit, oh Dieu. Oh Seigneur, Papa, parfois, certains pensent, oh Dieu, que s'ils ne font rien, il n'y aura rien qui va se passer. Alors que toi, oh Père, tu ne veux pas, oh Seigneur, Seigneur, qu'ils soient des dieux, oh Papa, dans leur famille, oh Seigneur. Oh Papa, plusieurs sont devenus des dieux, oh Père, oh Seigneur. Parce que sans eux, oh Papa, on ne peut rien faire. Et la famille ne marche plus par la foi, mais marche par, Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire, la foi en Seigneur, en ton serviteur, en ta servante, Seigneur de gloire, oh Père. Mais tu veux, oh Dieu, que la famille marche ayant la foi au Dieu vivant. Oh Seigneur, qui donne toutes choses au Père, au Papa, et qui procure toutes choses au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Père. Seigneur, ôte cette idolâtrie aussi des cœurs, au Papa, Seigneur de gloire, des familles, oh mon Dieu, mon roi, au Père. Ça et là, au Papa, qui compte tellement, au Papa, sur un frère qui est en Europe, sur un frère qui a du travail, sur un frère, au Papa, qui a beaucoup de biens, et non sur le Seigneur, au Père. Oh Seigneur, que tes enfants ne soient plus angoissés et ne soient plus des objets d'idolâtrie, ô Père, ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour leur délivrance, ô Dieu. Merci Seigneur pour leur visitation encore, ô Père. Sois glorifié encore, ô Papa. Sois élevé, ô Seigneur. Tu ôtes ces angoisses, ô Seigneur. Seigneur, merci pour la foi qui est répandue, ô Seigneur, dans nos cœurs, dans le cœur de nos familles, dans le cœur de nos amis, ô Dieu. Oh Père, je te prie encore, oh Dieu, Seigneur, tu dis que Seigneur, oh Seigneur, telle voie paraît droite à un homme, Seigneur, mais l'issue de cette voie, c'est la mort, c'est la perdition, oh Père. Je te prie encore ce matin, oh Dieu, oh Père, que tous les projets, oh Seigneur, que tes enfants essaient de faire, que des chrétiens partout, Seigneur, que des disciples essaient de faire, Seigneur, Papa, que ce soit dans la prière, oh Dieu, Seigneur, que ce soit dans la crainte de Dieu, oh Père. Car tu dis que telle voie paraît droite à un homme, Seigneur. L'issue de cette voie, c'est la mort. Seigneur, beaucoup de chrétiens croient que c'est avoir un succès sur le plan physique que tu approuves, Seigneur de gloire. Alors que ça peut être des séductions de Satan, ô Seigneur, pour les éloigner de la vie des prières, pour les éloigner de la parole, pour les éloigner des fondements, ô Seigneur, de ta parole, pour les éloigner des bons enseignements même, ô Dieu, Papa. Et beaucoup sont séduits par les enseignements au Père, qui les poussent à la course au siècle présent, qui les poussent à la convoitise au Dieu, au Seigneur, et qui amènent une corruption au Père dans leur vie, Seigneur. Papa, donne-leur encore de peser, oh mon Dieu, mon roi, leur projet au Dieu, afin que, au Père, Seigneur, ils ne soient pas corrompus, au Seigneur de gloire, par des mauvais enseignements, Seigneur de gloire, et par les, Seigneur, par toutes sortes de doctrines, Seigneur de gloire, des démons tels qu'on voit aujourd'hui au Père. Mais Seigneur, qu'ils soient enracinés dans la parole des vérités, ô Dieu, et qu'ils marchent toujours dans tes voies, ô Père, au nom de Jésus. Ô Seigneur, afin que leur projet, Seigneur de gloire, ne soit pas les pièges de Satan, ô Père, pour les éloigner, ô Dieu, ô Papa, Seigneur de gloire, de tes voies, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ô Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, ô Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, ô Père.
Seigneur, je veux te prier encore pour tous tes enfants, oh Dieu. Seigneur, tu vois certains, ils pensent que c'est parce qu'ils ont fait, oh Seigneur, gloire, des écoles, c'est parce qu'ils ont eu des idées, c'est parce qu'ils ont fait ça et ça et ça que les choses marchent. Alors que c'est toi qui dis, oh Dieu, que c'est toi qui donnes l'accroissement, oh Dieu. Oh Seigneur, comme l'homme est tellement insensé, travaillant sans toi et se glorifiant. Père, je prie encore que tes enfants, oh Père, qui ont des projets, quels que soient les projets, oh Père, Seigneur, qu'ils te rendent gloire, qu'ils te rendent grâce, oh Dieu. Sachant que les projets qu'ils ont au papa, et si ces projets réussissent au Père, c'est parce que le roi des rois au Père, le Seigneur des seigneurs au Père, a sa main sur eux, Seigneur de gloire, et les accompagne en toutes choses au Père, pour accomplir au Seigneur de gloire ses desseins, car ces desseins-là, c'est les desseins du Seigneur. Oh, alléluia. Oh Père, qui se lève tous les jours dans la prière, et qui discerne toutes choses dans la prière, et qui remet toutes choses dans la prière, afin que, oh Père, qu'ils soient remplis de sagesse au Père, comme au Seigneur de gloire, Joseph, oh Seigneur, était rempli de sagesse au Père pour s'occuper au Père des choses au Père des pharaons au Seigneur de gloire, pour s'occuper au Père des choses de l'Égypte au Dieu papa. Seigneur, oui, on a besoin de la sagesse de Dieu au Père pour accomplir Seigneur de gloire le dessein de Dieu au papa, afin que les hommes mangent non seulement et soient préservés des temps difficiles, mais surtout au Dieu qui est la crainte de Dieu qui soit répandue. Merci encore au Père pour la crainte de Dieu qui est répandue papa au travers de nous au papa. À toi soit la gloire encore au Père. À toi sur le long, encore au Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. La paix du Seigneur soit avec tous. Demeurez dans l'amour du Seigneur et soyez dans une pleine foi, car le juste vivra et marchera par la foi. Que le Seigneur nous garde et qu'il fasse lui sa face sur nous encore. Excellente journée dans la paix de notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.